Bonjour l'équipe, c'est Katouche, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un instrumental type méchante de Aya Nakamura. Moura Andoy. Moura. Quoi? Moura. Qui Moura? Moura. Aya Nakamura. Ah pardon, Aya Nakamura. En effet, elle vient de sortir le clip de Méchante, un morceau zouk d'un sol caribéen. Vous savez, c'est l'été, il y a le soleil, les plages seront bondées, il y aura de jolies nanas. Bon, il y en aura de vilaines aussi, mais l'important c'est qu'il y ait pour tous les goûts. Donc, je vais en fait sortir de mon ordinateur pour me rincer les yeux sur mon téléphone, TikTok, Facebook, j'ai confiance. Bon, revenons à notre tuto. Cela fait un moment déjà que Aya Nakamura ne nous déçoit plus en ce qui concerne ses sorties musicales. Et nous allons nous lancer dans cette prototype juste après le générique, les gars. C'est parti. Voilà, je suis tombé sur une guitare qui me dit beaucoup de choses parce que je pense que beaucoup de beatmakers l'ont déjà utilisé dans leur prod. Je vais vous jouer ça rapidement. Voilà, nous allons utiliser cette guitare là. Simplement, nous allons faire très simple. La guitare dit 90. 90, justement, c'est autour du tempo de Aya Nakamura. Donc, nous allons placer ça. Je pitch la guitare de 2 demi-tons vers le haut et ça donne ça. Je vais caler cette partie et nous allons commencer par les drums. Comme c'est du raga dancehall, la caisse va sonner un peu comme ça. Maintenant, la snare est un peu live, donc je vais chercher une snare qui est un peu live. Voilà une snare comme ça. Maintenant, nous allons placer le kick, il est régulier, comme le kick du zouk. Nous avions déjà quelque chose d'assez rythmé. Maintenant, nous allons plus loin, je vais ajouter un hi-hat zouk. Voilà, ce hi-hat. Je copie la snare, je place dedans et je place la première note. Voilà, c'est fait. Maintenant que c'est bon, je vais ajouter les pecs. Je vais rajouter une autre percussion. Je vais prendre ce tome là, je viens ici, je pitch légèrement ceci. Donc là, j'ai envie d'ajouter un roulement de tambour. Ou un roulement de tam-tam. Voilà, nous avons déjà une bonne percussion et tout. Je vais ramener tout sur la session arrangement. Je les glisse ici et je shift ceci. Le beat pouvait s'arrêter ici, mais alors, ce que je vais faire, je duplique ceci, make you net, je reverse. C'est sur notre 3 d'abord. Ramène chacun à sa place. Après, je commence à sectionner. J'ai envie d'utiliser celui-ci seul. Donc, le pitch vers le bas, ça fait 1000. Maintenant, nous allons essayer d'ajouter encore des mélodies. Pour ce faire, je vais commencer par le pad.
Voilà, ceci, ça me plaît déjà. C'est à la pincette. Je vais essayer de mettre un effet dessus. Voilà, sur mon pad, j'ai mis du chorus et j'ai mis Drift Maker. C'est un truc qui donne un peu de bruit, qui essaie de saccager un peu le moral des instruments. Mais pour leur donner une couleur assez vintage et appréciée. Donc, dans le truc, ça donne ça. Maintenant, je vais jouer une top mélodie. Je vais chercher la mélodie qu'il faut dans Purity. Je vais dans Wood, je pense. La fin. C'est bon. Maintenant, je vais ajouter une basse. Du one shot, ça devrait aller. Je mets basse. Voilà, j'ai choisi ma basse, je vais essayer de la jouer. Voilà les gars, j'ai fini de jouer ma basse. La top mélodie, je vais essayer de changer le son parce que ça sonne bizarre. Voilà, c'est vraiment caliente et tout. Maintenant, pour certaines parties, je vais utiliser une 808. Donc, je vais ajouter la 808. Ce que je vais faire, je rentre dans la basse. Je copie ceci. En priorité, celui-ci-là. Celui-ci. Je viens dans la 808. Cette 808 que j'ai l'habitude d'utiliser, ça me plaît. On va largement caliente. Voilà, pour finir complètement, je vais ajouter une dernière guitare. Donc, nous allons essayer de voir ce qu'on va jouer avec. Les gars, c'est parti. Je mets ceci. Voilà, on y va. Je vais essayer rapidement de la mixer pour que ça puisse intégrer le beat. Voilà, moi ça me plaît comme ça. Donc la preuve, ça fait toujours la fin. Voilà les gars, je viens de finir l'instrumental. Tout ce que j'aurai à faire maintenant, c'est de faire une petite structure partielle, de mettre quelques effets par-ci par-là, cymbales, un ou deux roulements, et puis nous allons passer à l'écoute. Mais avant ça, je tiens à vous dire que j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On se dit à la prochaine pour un autre tuto. Bonne écoute. Ciao.